Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit gameplay sur Mega Drive. Donc j'ai sorti un petit jeu de ma collection pour vous faire un gameplay. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit gameplay sur ma collection, à part la version compilation, enfin version où j'ai plein de miniatures dans la cartouche. Là je possède un petit jeu que j'ai acheté à Deal Cash il y a un petit moment, il y a un petit bail quoi. Donc je l'ai rentré à Deal Cash à la verrière et il était non sans notice, donc il était en boîte. Donc je vous présente le Spider-Man, voilà le Spider-Man sur Mega Drive, super bon état avec la Crystal Box, je l'avais rajouté. Voilà, je l'avais acheté sans Crystal Box, ou alors je crois qu'il y était plus, je sais plus. Bref, voilà, donc je vais vous faire un petit gameplay sur ce petit jeu. Je sais pas combien de temps ça va me durer la vidéo. On verra. Allez, je vous dis à toutes. Salut les amis, alors c'est parti pour le gameplay Spider-Man, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors c'est parti, on va aller dans les options, on va mettre en mode pacifique, pour que je galère pas trop. On a plus prévu, on va rien. Allez c'est parti, ouais, je sais pas si je vais y arriver jusqu'au bout, on verra bien, on va faire un petit test sur Spider-Man sur Mega Drive. Bon, ça va, graphiquement, je ne sais pas s'il est sur Super NES, mais apparemment il est sur Mega Drive. Sinon. Alors, pour tirer. Apparemment, il faut monter là-haut. J'ai regardé les astuces. Alors, je vais la vieille dame. Il faut monter. Sur l'immeuble. Hop. Voilà. Bon, je sais pas si je vais y arriver. Hein. Bon, mais il y a un boss et tout à faire. Terminé. Et quand tu perds, tu recommences, hein, je te le dis. Vite le chien. On peut monter partout, on est Spider-Man. La barre de vie en bas, vous voyez. Life et l'autre, je sais pas c'est quoi le bleu. Par contre, je sais pas quoi ça sert. Ça a rien à voir avec les toits d'araignée, je pensais, la consommation, mais non. Bon. On monte la toit d'araignée à l'infini, j'ai l'impression. Oh merde, putain. Hein. Il débarque au moment. Je ne vais pas. Voilà, dégagez. Voilà. Là, on peut mettre des coups de pied. On peut taper avec les boutons B, pour balancer c'est bouton A, pour sauter c'est bouton C. Ouais, franchement il y a pas mal de touches intéressantes. Ouais, on peut pas passer. Ah si, on peut. Attends, je vais pas me faire chier. Qu'est-ce qu'il y a là-bas?
on a le temps à partie. Si c'est possible. Non, franchement, le jeu il est pas mal déjà. Voilà, merde, concentré les amis. C'est cool. C'est sûr, je vais même pas avoir couti là. Ah, il y a la difficulté, c'est que tu dois recommencer, c'est chiant, t'as pas de checkpoint. Ça, je trouve ça un peu dommage. Hein. Parce que je pourrais reprocher dans le jeu, c'est dans le checkpoint. Ah voilà. Ouais, je cherchais le passage en fait. Merde, c'est une vraie merde.
Putain, sérieux! Putain, drap de merde! Pas ça, c'est un petit. Voilà, ici, il y a un espèce de type qui me balance des... Taper par derrière, c'est pas compliqué. Bon, on arrivait à passer par là, mais il y a un boss en fait. Ah, il y a de la vie là-haut. Il y a de la vie, c'est bien. Bon, même pas, c'est pas de la vie, c'est de la. Ok, je peux se. Je préfère de la vie. Mais... Merde. Non, il y avait de la vie. Oh putain, il y avait de la vie juste devant moi. Ah le. Oh la loose quoi. Putain. Bon moi je sais comment y aller maintenant. Faut que je tourne l'autre chemin. C'est ce qu'il faut que je fasse. Éviter cette merde là. Comme les rails, t'en veux quoi. Putain, ça va pas. Non, sa mère la pute. Ah, ça y est, mais... Oh la putain. On va voir. Oh la putain, fils de pute. Ah, l'enculé. Oh la salope. Putain, il m'a fait mal, enculé. Pardon pour les gros. Désolé pour ma vulgarité, hein. Je suis un peu sadique. Hein. Ah, il est pas facile ce jeu. Hein. Ah, je découvre alors, du coup. Oh le bâtard. Ouais. Oh, ça me saoule, j'aimerais bien arriver jusqu'au boss. À un moment, il y a un boss et c'est deux Torcopus là, un truc comme ça. Au moins, il y a le Docteur Copus là qui devrait apparaître. Donc, je pensais que je voudrais arriver jusqu'à là en fait. Oh, bah, tout de suite, putain. Ça, c'est super dur le jeu et ah, il est pas facile ce jeu de plateforme. C'est un jeu de plateforme mais il est dur. Hein. Putain. Ah, j'aime pas trop. Ah, voilà, hop. Ça me parle là. Voilà, dégage. Thank you.
monte là. Ah, je récupère le truc qui est là-bas, il y a de la vie. Ouais, c'est ça que je peux récupérer. Ah, même pas, ça fait de la vie. Attends, pourquoi il est là-bas? Parce que j'ai eu là-bas. Ouh, je suis passé. Pas tard, hein. Je sais pas si j'y arrive, hein. Il y a un connard là. Oh là, je sais pas y arriver. Ouais, c'est sûr. Bon les amis, on va s'arrêter là, j'y arrive pas. Pourtant il y a Dr Copust qui apparaît dans la fin, mais bon. Voilà les amis, je vous ai fait découvrir Spider-Man sur Mega Drive. Malheureusement j'arrive pas à aller loin, c'est vraiment galère, je découvre. Bon, j'espère que cette petite vidéo découverte vous aura plu. Si vous connaissez ce jeu là, dites moi dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis. Abonne-toi.